Salut l'internaute, c'est Jamil. Nous sommes le 2 mai 2020 et je suis très heureux de te retrouver pour ce 18e épisode des 5 choses à se dire. Cela fait très précisément 48 jours que nous sommes en prise en confinement. C'est pour notre bien, notre sécurité, notre santé physique, hein, parce que mentale, je ne suis pas sûr. Hein. Ah, en tout cas, toute cette sécurité, ces flics déchaînés, ces attestations, ces drones policiers, c'est rassurant. Oui, c'est même efficace. Parce que, regarde, aucun virus tueur criminel à l'horizon. C'est bien la preuve que ça fonctionne. C'est un raisonnement fallacieux, papa. Merci, monsieur. En suivant ta logique, je pourrais prétendre que ce caillou éloigne les tigres. Hein? Comment ça marche? Ça marche pas. Hein? C'est un vulgaire caillou. Hein? Mais tu ne vois aucun tigre dans le coin, pas vrai? Lisa, je veux t'acheter ton caillou. Ah, toujours à se la ramener, cette Lisa, hein? En tout cas, moi, je suis très content parce que ça fait des lustres que je ne t'ai pas proposé un épisode des 5 choses à te dire. C'est-à-dire, le dernier date du 1er mars, donc avant la chute du monde d'avant. Autant dire, il y a une éternité. Ah bah, ça nous a fait des vacances, hein? Ah, je vais vous dire, moi, 2 mois sans le gauchiste de service, là, je n'ai pas boudé mon plaisir, hein? Ah, oh, quel plaît! Et hop, après 2 mois quasiment de live sur YouTube avec l'émission Seuls Ensemble que j'anime toutes les semaines, toujours disponible en replay sur ma chaîne, et bien me revoici pour un nouvel épisode des 5 choses spéciales et en même temps spécial coronavirus. Ou comment nous prendre pour de bons gros abrutis, incapables de voir les agissements d'un gouvernement qui dit vouloir tout faire pour défendre l'intérêt général et en même temps préfère servir les intérêts particuliers des banques et de la finance internationale. Alors, pour bien apprécier le festival de contradictions et de foutage de gueule qui défile sous nos yeux ébahis depuis maintenant près de 2 mois, hein, oui, j'ai volontairement omis pour l'expérience, hein, les 3 années de macronisme que nous nous sommes tapés jusqu'à maintenant, non sans mal, hein. Il faut revenir aux sources. Le 7 mars dernier, alors que l'Italie du Nord se confinait et comptait déjà des centaines de morts, Emmanuel et Brigitte Macron allaient au théâtre pour inciter les Français à sortir malgré le coronavirus. Ah, ils ont le pif, hein, ils avaient le nez. Non mais hors de question de dire qu'ils n'étaient pas prêts, hein. Mieux, le 11 mars, 4 jours plus tard, bien que dans un cadre particulier d'hommage aux victimes du terrorisme, Emmanuel Macron disait à la France entière « Nous ne renoncerons pas aux terrasses, aux salles de concert, aux fêtes de soir d'été. » Il n'y a aucun hasard. C'est une communication gouvernementale réfléchie, calculée pour inciter les Français à sortir. Ce même gouvernement qui était pourtant alarmé dès le mois de janvier des dangers du Covid-19 par la vaillante ministre de la Santé Agnès Buzyn qui nous l'a juré le 17 mars, hein, soit bien après la bataille, dans les colonnes du Monde. Pourtant, en janvier donc, hein, la même Agnès Buzyn tenait un discours complètement contraire à ses propos du 17 mars. En termes de risque pour la France, des analyses de risque d'importation sont modélisées régulièrement par les équipes de recherche. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Et pour finir, ou pour nous achever, les recommandations et encouragements du gouvernement pour que nous allions tous bien voter au premier tour des élections municipales le 15 mars donc suivant, fusaient de partout jusqu'à la veille. Édouard Philippe se déclarait même candidat au Havre tout en restant Premier ministre et y faisait campagne dès fin janvier sous une protection policière hors norme. Exactement comme Agnès Buzyn, elle aussi en campagne mais à la mi-mars et à Paris, planquée derrière aussi une armée de CRS, ce qui m'a d'ailleurs valu une soirée entière retenue par la police en pleine rue et en direct sur YouTube. Les mitrailles, ne vous habituez pas à ces horreurs! Demain, ça sera toi, mademoiselle! Tout ce manège, toute cette propagande politico-médiatique pour nous encourager à sortir, consommer, voter le 15 mars et dès le lendemain, tout boucler et changer radicalement de ton. Puisque le 16 mars, les bons citoyens consommateurs et électeurs de la veille étaient subitement, en une nuit, devenus d'irresponsables criminels satisfaits.
En effet, ce n'est que le 14 mars, hein, j'espère que tu suis, c'est compliqué, hein, en fin de journée, qu'Edouard Philippe, c'est-à-dire la veille hein, des élections, annonça la fermeture des cafés, des restaurants, de tous ces commerces, mais aussi l'application des mesures de distanciation sociale, des gestes barrières, etc., applicables dès le lendemain. Et bien sûr, comme c'était la veille des élections, ça n'avait pas fait grand bruit. Et dès le 16 mars, soit 24 heures à peine plus tard, c'est Brigitte Macron qui s'étala dans les médias pour s'indigner avec tous les commentateurs bien-pensants parisiens de voir tant de personnes irresponsables se promener dans les parcs et sur les quais de la Seine. Alors qu'elle s'y promenait aussi la gourde. Mais le pompon à ce moment-là revenait pour moi à Bruno Le Maire qui, dès le 20 mars, offrait 1000 euros et même bientôt 2000 euros à toutes les personnes qui allaient travailler quand même au front dans les magasins, etc. Eh bien, malgré le virus tueur. Hein, ouais, 2000 euros, 1000 euros, le prix d'une vie d'un prolétaire. Hein. Ça vaut pas plus que ça. En bref, à ce moment-là, jusqu'à la mi-mars bien tassée, même bien après la mi-mars, hein, c'était donc il n'y a pas très longtemps, c'est le message politique et puis médiatique du moment, c'était sortez, consommez, allez voter, allez bosser surtout, hein. Et en même temps, restez chez vous, bordel, hein ? C'est pas compliqué. Les masques. Ah oui, là, je crois que c'est l'épisode le plus commenté et suivi depuis le début des festivités. Hein. Une réelle telenovela, hein. Aussi palpitante et médiocre que les vrais. Nous sommes en guerre. Nous leur devons des masques, du gel, tout le matériel nécessaire. Des masques seront livrés dans les pharmacies dès demain soir. Porter un masque est parfaitement inutile. Nous encouragerons effectivement le grand public, s'il le souhaite, à porter des masques. Vous savez quoi ? Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je ne sais pas l'utiliser. Il n'est pas recommandé car il est inutile et qu'il prive ceux qui ont besoin des masques. Ces masques, donc, sont livrés très régulièrement. Mais vous reconnaissez qu'il en manque ? Les personnels soignants dans les hôpitaux. Non, je ne reconnais pas qu'il en manque. L'innovation industrielle française bat son plein pour la création et la fabrication de masques. Il est aujourd'hui impossible de leur promettre ces masques FFP2 ou chirurgicaux. Ils sont réservés aux soignants. Et envisage de rendre le port du masque obligatoire. Nous confirmons tout l'intérêt d'une obligation réglementaire du port de masque dans les transports publics pour tous les passagers. L'absence de masque devrait exposer à une amende dissuasive. Et encore, je t'épargne les nombreuses annonces des masques. Oui, on les a, non, on les a pas, on les a commandés, ils vont venir demain, ou peut-être le week-end prochain, au mois de juin. Et en fait, non, les Américains nous les ont achetés sur le tarmac en Chine, enfin blablabla, bla, bla, c'était impossible à suivre. Quoi qu'il en soit, le 27 avril, Agnès Pannier-Runacher, tu sais, la secrétaire d'État rattachée au ministère de l'économie et des finances, qui nous conseillait il y a peu en direct à la télévision de profiter de la crise du Covid pour investir en bourse. Je crois qu'on va très vite en besogne. Aujourd'hui, nous avons un système financier qui est beaucoup plus solide que pendant la crise de 2008 parce que les banques sont plus solides. C'est plutôt le moment de faire des bonnes affaires en bourse. Aujourd'hui. Eh bien, Agnès était cette semaine sur BFM TV pour tenter de nous expliquer qu'elle travaille à ce que les prochains masques vendus en France, et non pas distribués, on n'est pas de méchants communistes, seraient accessibles à une majorité de Français. Hein ? Oui, à une majorité. Non, 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 non pas non plus à tous les Français, mais seulement à une majorité. On sait pas comment elle se calcule cette majorité. En tout cas, langue de bois en chaîne massif pour tenter de justifier la situation rocambolesque. Mais si on imagine un masque à 5 euros, une famille de 5 personnes, ça fait vite très cher, alors qu'on voit bien que les difficultés économiques s'amoncellent. Alors, encore une fois, tout dépend dans quelles circonstances ces masques sont utilisés. Si les masques sont rendus obligatoires, par exemple, dans l'environnement de travail, l'employeur aura à équiper ses employés. Si c'est un masque que souhaitent porter les Français pour avoir une protection complémentaire, dans ce cas, effectivement, il pourra en acheter. J'attends que la grande distribution me fasse un point très précis. Nous avons des discussions pour que les prix de mise à disposition des masques soient très compétitifs pour les familles à petit budget. Ouais, non, elle n'a pas répondu à la question de la journaliste, hein. Non. Et puis de toute manière, la journaliste non plus n'a pas cherché réellement à avoir sa réponse, hein. On était sur BFM TV, faut pas non plus...
En tout cas, le même jour, la même Agnès Pannier-Runacher, hein, celle qui hier gagnait plus d'un demi-million d'euros par an en travaillant dans le privé, BTP, pétrole offshore, etc., hashtag conflit d'intérêts, annonçait le refus du gouvernement de ne pas plafonner le prix des masques bientôt vendus en France pour, je cite, « ne pas freiner l'innovation ». Et vite de préciser que ces masques auront des caractéristiques incroyablement variés, hein, comme par exemple, certains seront lavables en machine et réutilisables, d'autres seront de couleur et d'autres ne seront pas de couleur. Voilà, c'est à peu près tout. Voilà, hein, tout ça pour justifier que l'État donc ne peut pas, peut pas non plus intervenir et fixer les prix, hein, non, non pas, non, quand même, enfin bon, l'innovation quoi. Il y aura donc de beaux et efficaces masques Louis Vuitton pour les habitants et habitantes du 16e arrondissement de Paris. Et des tricots hein, faits main avec trois bouts de ficelle pour tous les autres gueux du pays. Eh bien évidemment, hein, il y a ceux qui se déplacent en Porsche, d'autres en Fiat Panda, hein, c'est comme ça, c'est la nature, c'est tout. Hein. Eh bien pour les masques, c'est pareil, il n'y a pas de raison qu'on opère différemment. C'est tout. Pendant ce temps-là, chez nos voisins européens, par exemple en Espagne, les masques sont gratuits et offerts à tout le monde par les autorités publiques. Tandis qu'en France, aucun masque à l'horizon, mais on parle déjà du prix de vente et des amendes de 135 euros si on oserait sortir sans porter une chose qui était il y a encore quelques jours inutile selon les autorités. Mais la Macronie aime dire tout faire pour que chaque Français soit équipé d'un masque. Et en même temps, s'attelle à ce que bah, la finance et les requins du commerce puissent se faire un peu de blé au passage, quitte à ce que finalement les Français n'aient pas tous les moyens de s'équiper. Ah, difficile, très difficile pour moi d'isoler seulement 5 contradictions ou incohérences du gouvernement macroniste, tellement il y en a. Tellement les choses changent et se contredisent, non pas d'une semaine à l'autre, non pas d'un jour à l'autre, non, dans la même journée. Et j'ai un exemple parfait avec notre ministre adoré de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui déclarait le 23 avril sur France Info que si une grande entreprise a son siège fiscal ou une filiale sans activité économique réelle dans un paradis fiscal, il va de soi qu'elle ne bénéficiera pas du prêt garanti par l'État ou des reports de charges. Et naturellement, tous les médias en ont fait alors leur gros titre. La journée n'était pas terminée, puisque l'après-midi même, au Parlement, de ces déclarations tonitruantes, l'article de loi était passé purement et simplement à la trappe. Alors je te rassure tout de suite, hein, ne pleure pas si vite, car comme le titrait Marianne à ce moment-là, ce n'était que pour faire joli. Car même si l'article de loi avait été validé à ce moment-là, la liste des paradis fiscaux reconnus par la France est tellement étriquée et tellement loin de la réalité que ce n'aurait été que symbolique. Autrement dit, une fois n'est pas coutume, dire partout lutter contre l'évasion fiscale et la fraude fiscale pour la justice sociale et en même temps ne surtout rien changer, car rien de tel qu'une bonne place dans les hautes sphères d'une multinationale après un confortable mandat de député ou de ministre. Quatrième et avant-dernier point de notre top 5 si agréable des foutages de gueule du gouvernement, hein, et c'est peut-être là le summum du moment, l'application Stop Covid. C'est donc une application qui, une fois installée dans nos smartphones, permettra de tracer chacune et chacun, ainsi que l'éventuel virus qu'il ou elle abrite. Depuis que l'idée même était évoquée par le premier flic de France, à savoir Castaner, qui d'ailleurs misait sur la méthode Coué, hein, c'est-à-dire que, en répétant partout que les Français seraient d'accord d'être pistés pour que son vœu devienne réalité, le débat médiatico-politique n'a cessé de faire rage. Chaque jour ou presque, un son de cloche différent retentissait. Mais plus le temps passe, plus les oppositions sont nombreuses, jusque dans les rangs même de la majorité En Marche. Alors moi j'ai toujours été d'accord, hein, fidèle et loyal à notre cher Emmanuel. Et puis à un moment donné, il faut choisir son camp. Télécharger une application consiste à combattre le virus et sauver des vies, alors que le contraire... Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Mais je le dis. Sentant que l'affaire n'allait pas être aussi facile qu'il l'aurait souhaité, le gouvernement, qui au départ n'avait pas prévu de vote du tout, mais plutôt une petite discussion rapidement à l'Assemblée nationale, eh bien, on a prévu un, hein, après les premières oppositions au départ. Mais finalement, s'est dit ouïouïou, ça va peut-être pas passer si facilement, alors on va l'inclure dans le plan de déconfinement classique pour faire passer tout d'un bloc, comme ça, mardi dernier, tu sais. Et finalement, a vu le bordel autour et les oppositions toujours plus nombreuses, s'est dit et a dit mardi in extremis que non, on verra plus tard, sans dire précisément quand. Ouais.
Oui, c'est l'adaptation constante, hein, ou alors une sorte de patate chaude dont on ne saurait que faire. Pour être plus précis, il faut dire que l'application n'est même pas prête et que la technologie Bluetooth utilisée n'est pas très efficace, encore moins dans les endroits les plus peuplés comme le métro. Hein, c'est quand même bête. Et puis, il semblerait que Google et Apple souhaitent imposer leurs conditions logicielles aux États en les incitant à utiliser une méthode décentralisée. C'est-à-dire stocker nos données personnelles collectées à l'intérieur même des smartphones, eux gérés par Apple et Google. Là où le gouvernement français préfère la méthode centralisée, c'est-à-dire le contraire, stocker les données collectées sur un ordinateur central géré par l'État lui-même. Ah moi dans les deux cas, hein, entre Google, Apple et l'État macroniste, confier ma vie privée, je... personne, hein, merci, non. Et pour justifier ce bras de fer en papier mâché, le gouvernement nous parle de défense de la souveraineté nationale. Ah, ce même gouvernement qui dilapide à longueur d'année tous les bijoux de famille, hein, et les savoir-faire français, en vendant Alstom, Aéroport de Paris, la Française des Jeux, l'industrie en général, là, nous parler de souveraineté nationale, mais... Ils se foutent de notre gueule, c'est incroyable. Les réels enjeux ici semblent être ailleurs. Malgré ce joyeux bordel qui ne cesse d'enfler jour après jour, le gouvernement s'entête et continue les manipulations et tours de passe-passe pour frapper au moment le plus opportun, façon 49-3, et ainsi espérer faire passer son projet à tout prix, pourtant quasi inutile en matière sanitaire. Tout ça est louche et contradictoire. Dire avoir pour priorité absolue la sécurité sanitaire des Français et en même temps s'acharner à développer une application peu ou pas utile à cela, mais qui menace bien réellement nos libertés individuelles et fondamentales. On termine en beauté avec un et en même temps en or massif. Notre roitelet en chef l'a décidé et annoncé seul le 13 avril dernier, d'ailleurs on a suivi ça ici en direct si tu veux revoir le replay, mettant alors tout le monde en panique, hein, dans son propre gouvernement et les spécialistes autour, le déconfinement aura lieu le 11 mai 2020. Avec essentiellement la réouverture des écoles, pour prendre soin de nos enfants, de leur éducation, de leur émancipation intellectuelle, politique, afin qu'ils puissent mieux appréhender, comprendre le monde, et demain bâtir un avenir radieux pour tout le monde, une meilleure démocratie pour... Non, je déconne, hein. C'est juste pour que les parents puissent retourner bosser à l'usine et ainsi éviter le crash du capitalisme. Voilà, c'est tout. Ouais, je sais que vu comme ça... C'est que c'est moins, c'est... Non mais c'est pas... Mais c'est la réalité. Depuis cette annonce par Macron, à peu près tout le monde, et jusque dans sa majorité, soit doute de la chose, soit carrément s'y oppose. Comme c'est le cas pour l'Ordre des médecins qui déplore un manque absolu de logique et dénonce une décision qui reviendrait à réintroduire le virus. Mardi dernier, cette semaine, le 28 avril, jour du vote à l'Assemblée nationale du plan abstrait de déconfinement proposé par le gouvernement, Édouard Philippe expliquait clairement à qui voulait bien l'entendre quelle était sa priorité. Qu'un confinement prolongé au-delà du strict nécessaire aurait, pour la nation, des conséquences gravissimes. Nous sentons que l'arrêt prolongé de la production de pans entiers de notre économie, que la perturbation durable de la scolarisation d'un grand nombre d'enfants et d'adolescents, que l'interruption des investissements publics ou privés présenterait pour le pays non pas seulement l'inconvénient pénible du confinement, mais en vérité celui bien plus terrible du risque de l'écroulement. Écroulement. Je n'emploie pas ce terme au hasard, mesdames et messieurs les députés. En prononçant le mot écroulement plutôt qu'effondrement, il ne parle pas moins du même, de la même chose redoutée, c'est-à-dire de la chute du modèle économique dominant, du néolibéralisme financiarisé et mondialisé qui nous a très précisément amenés dans cette catastrophe. Alors oui, sans doute que le gouvernement souhaite aussi éviter les morts et faire les choses correctement, mais on comprend quand même aisément que son principal souhait, c'est de sauver l'économie précise, c'est-à-dire celle à travers les banques et la finance mondialisée, et donc fatalement les ouvriers et travailleurs qui font tourner la machine qui les engraisse. Oh, tout de suite, hein, nous voir comme des monstres, hein, c'est bien confortable, hein. Mais non, mais nous, on en prend soin de nos ouvriers, hein. Par exemple, les employés polonais de mon mari, là... Ils travaillent, oui, ils aiment ça, travailler, enfin, ils donnent tout, je les ai jamais rencontrés, mais ils travaillent, hein, et puis, tout ça, tout, sans eux, ça ne... voilà.
Voilà pourquoi les annonces d'un retour à l'école sur la seule base du volontariat des parents et des mères, eh ben ce n'est que de la poudre de perlimpinpin. Car en réalité, ça ne sera valable qu'un temps, entre le 11 mai et le 1er juin. À partir du 1er juin, si vous refusez d'envoyer vos enfants à l'école, votre chômage partiel sera tout bonnement supprimé. Donc, pour résumer, le retour à l'école ne sera pas obligatoire et en même temps, l'État vous coupera vos vivres si vous refusez d'y renvoyer vos enfants. Je te l'ai dit, hein, ce n'est pas simple hein, d'isoler que 5 foutages de gueule, tellement le gouvernement est capable de nous en produire à la chaîne durant toute la semaine. Hein. J'aurais pu aussi te parler du scandale Air France. L'État octroie 7 milliards d'euros à la compagnie privée, oui, privée car l'État n'en est actionnaire qu'à 14%, donc 7 milliards sans réelle contrepartie. Et en réponse, le PDG de la compagnie engage un plan de départ volontaire. Et tout ça le lendemain même d'avoir reçu le chèque. Hein. Ils osent tout. Hein. Privatiser les gains, socialiser les pertes, hein. Ça semble être la recette éternelle. Où j'aurais pu encore te parler de cette pépite hein, de Sibeth Ndiaye, tu sais, la porte-parole de notre gouvernement, qui jeudi, là, cette semaine, sur Twitter, a annoncé l'ouverture d'une plateforme internet gérée par le gouvernement lui-même pour lutter contre les fake news. Si, c'est pas une blague. Elle a précisément tweeté « La crise du Covid-19 favorise la propagation de fake news. Plus que jamais, il est nécessaire de se fier à des sources d'informations sûres et vérifiées. C'est pourquoi le site du gouvernement français propose désormais un espace dédié, suivi d'un lien vers ce qui est purement et simplement un site où le pouvoir exécutif valide ou pas des informations comme vraies. » Bizarrement, l'enquête du 2 avril de Mediapart sur le mensonge d'État à propos des masques n'y apparaît pas. Mais dis-moi, comment qualifie-t-on un régime politique qui labellise l'information comme vraie ou fausse à sa guise ? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et encore une petite chose. Ce travail ici que tu apprécies est totalement indépendant et libre grâce à toi, grâce à ton soutien mensuel financier depuis déjà un bon moment. Ce qui rend possible l'existence même de cette chaîne. Si tu souhaites rejoindre la team des personnes soutenant activement ce projet, je t'invite à visiter la page www.jemil.fr/soutenir pour pouvoir participer essentiellement à travers l'association Mille et une choses créée pour l'occasion. Retrouve tous les détails et toutes les sources utiles aussi dans la description à dérouler sous la vidéo. Moi, je te remercie énormément pour tout ça et je te dis à la prochaine parce qu'on a encore mille choses à se dire. Ciao! Et abonnez-vous à la chaîne YouTube!